Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait de plus en plus plaisir d'être de plus en plus nombreux sur sa chaîne. N'hésitez pas à chaque fois, défoncez là-bas les pouces bleus, abonnez-vous pour ceux qui sont pas abonnés, activez la cloche, touchez la petite notification qui fait plaisir. Et oui, vous êtes bien sur la chaîne du meilleur youtubeur de Pog. On va commencer par le petit générique qui fait plaisir. Ça fait quand même un moment qu'on n'a pas fait de vidéo sur la chaîne parce que tout simplement j'étais très malade. La dernière vidéo que j'ai sortie concernant la théorie sur Iron Man était une vieille vidéo que j'avais faite depuis longtemps. Et bof, comme j'étais pas actif, je voulais pas vous laisser comme ça, j'ai balancé la vidéo immédiatement. Il y avait quelques petites erreurs dans les énonciations, dans les prononciations et tout ça, mais bref. J'espère que vous avez quand même aimé, kiffé la vidéo. On a dit qu'on allait arrêter de parler de top gossip et tout ça. Et aujourd'hui, si on parlait d'une bonne nouvelle pour l'artiste un peu. C'est Bram Cito qui a sorti son premier album solo, il n'y a pas si longtemps de cela. Les ventes de l'album évoluent très bien. Pour un premier album, il a déjà beaucoup de personnes qui le suivent et tout ça. J'ai eu l'album, j'ai eu une petite surprise. Et la personne aussi concernée par le morceau a eu la même surprise que moi. Sauf que dans l'album, il y a un morceau en hommage à Touré Yaya. Franchement, le son, il est super bien foutu. Il est très bon à écouter, il est agréable à entendre. Bref, c'est un super bon son. La qualité du son est superbe. Lorsqu'il a sorti l'album et autres, personne ne s'attendait un peu à ça parce qu'on n'avait pas communiqué la tracklist et tout ça. Et Yaya Touré qui a reposté sur Twitter un message pour remercier Bram Cito pour cette surprise-là. Parce que, personnellement, on me fait un morceau comme ça, je vais kiffer à mort. Il semblerait que Yaya Touré lui-même n'a pas été informé qu'il aurait un morceau spécial dans l'album et tout ça. Mais soyons honnêtes, soyons réalistes, c'est l'un des rares morceaux faits pour un joueur qui est aussi entraînant, aussi agréable à écouter, aussi chic et tout ça. Bref, pour ceux qui veulent écouter le morceau, allez télécharger l'album. Le lien est dans la description. Vous pouvez faire vous-même votre propre avis. Mais personnellement, j'ai kiffé de ouf cet album-là parce qu'il a fait un truc véritablement agréable. Même si beaucoup se plaignent un peu de l'effet un peu monotone dans la musique, dans le flow et tout ça. Mais perso, j'ai adoré, j'ai kiffé. C'est son premier album. On sait que par la suite, il doit faire encore mieux que cela. Mais pour un début, il a déjà fait quelque chose de sensationnel. Information du jour. Bram Cito fait un morceau hommage à Yaya Touré et Yaya Touré réagit. Je vous invite à aller télécharger l'album, aller écouter l'album. Il y a aussi le son Salmoud dans l'album. En plus, le son de Yaya Touré. Bref, allez télécharger l'album, on va voir tout ce qu'il y a comme morceau dans la tracklist et tout ça. Et sur ce, n'hésitez pas à lâcher toujours le petit pouce bleu qui fait plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis et aussi abonnez-vous sur le bonnet, activez la cloche pour ne rien manquer, enfin toute la petite notification qui fait plaisir. Ne vous inquiétez pas, ça commence à aller mieux au niveau de la santé, donc on va recommencer à être actif sur la chaîne. Sur ce, max de like, max de partage, restez abonnés, restez connectés sur la meilleure chaîne d'information. Sur ce, c'était le YouTuber de Pog. Bye. Cheers. Cordialement. Jeff.